Bonjour, mon nom est Julie Bérubé, je suis enseignante à l'école Alexandre Wolff et je me présente en tant que candidate à l'émission Le Banquier au nom de toute mon équipe Cycle. Alors, je vous présente mes trois supporters qui viendraient m'encourager à l'émission. Je les ai choisis parce qu'elles m'ont accueillie à l'école ici, c'est ma première année de façon exceptionnelle. Alors, voici donc Véronique, Claudine et Marie-Christine. On veut faire vibrer les enfants et les faire voyager à travers les lignes. Mais pour ce faire, on a besoin de leur offrir un passeport pour l'aventure. Comme nous enseignons à des enfants militaires, nous devons quotidiennement relever les défis que le milieu impose. La lecture est parfois secondaire pour un enfant séparé de son parent qui attend un retour ou qui est rongé par l'inquiétude. Les livres offrent accès à un univers de magie et de rêve. À travers la lecture, les jeunes quittent le côté terre-à-terre de l'école. Ils peuvent même s'envoler. Ils peuvent s'identifier aux super-héros pour sauver une bande d'amis pris au piège et même de combattre un méchant dragon. Filles de défi, nous ne reculons devant rien. Nous donnons notre maximum à nos élèves. Quotidiennement, nous avons plusieurs besoins à combler. Et oui, il est là le problème. Pour donner accès à l'enfant à cet univers magique de la lecture, nous avons besoin dans nos classes de livres, de tablettes électroniques et de livres électroniques. Et oui, en enseignement aujourd'hui, la technologie est très importante. Alors, les centres audio, des livres d'écoute, pour eux, les enfants, c'est très important pour eux et ça va chercher leur imaginaire. Donc, Monsieur Banquier, on attend votre tour. Ouf! Un voyage de groupe nous aiderait vraiment à décrocher nos lourdes de tâches et de lâcher notre fond ensemble. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Puisqu'on est tout amis, on voudrait vivre une expérience mémorable. Comme par exemple du magasinage à New York. Survoler ma canyon ou faire du surf en Californie. C'est ce qui nous ferait sourire et le plus grand rire. Donc, M. le banquier, on attend. Finalement, M. le banquier, ce qui nous importe et ce pourquoi nous sollicitons votre aide, c'est pour motiver les élèves et surtout assurer leur réussite. M. le banquier, on attend.